monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlogmas. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11. Il est actuellement 9h. J'ai pas dormi de la nuit, je vous avoue. Je me suis endormie vers 3h30. J'ai dormi sur le canapé parce que j'arrivais pas à dormir là-haut. J'étais pas de ruminer et tout. Genre, vraiment, j'étais en mode putain. J'étais vraiment pas bien. C'est certes que des cheveux. Moi, j'aime que chez moi mes cheveux, je n'aime rien d'autre. Donc si je n'aime plus mes cheveux, bah j'aime plus rien chez moi, donc je suis dans un mauvais mood. Donc bref, là j'exporte la vidéo. Je vais sortir à Birdie, je vais me préparer, je vais aller voir directement la coiffeuse. Mais j'espère que je vais pas passer la journée là-bas. Je tiens vraiment à vous remercier ceux qui sont sur Instagram, parce que là j'ai pas encore uploadé la vidéo, donc j'ai pas eu vos retours sur YouTube. Mais sur Instagram, vous avez été au taquet à me répondre, à me conseiller, à m'aider à me remonter le moral, parce que je vous avoue que hier c'était pas foufou. Donc hier, je vous ai pas repris, mais je suis allée chercher du shampoing bleu, enfin violet. J'ai fait le shampoing, j'ai fait le masque, etc. Enfin bon, ça n'a pas changé grand chose. Mais ce que je n'aime pas, c'est ces barres en fait. Hein. C'est pas avec un shampoing que ça va changer. C'est des barres. C'est pas du tout ce que j'avais demandé. Là, j'ai encore du marron alors que normalement, je ne voulais pas de marron. Enfin, voilà, il y a plein de choses que je ne voulais pas. Ouais, tout le monde m'a dit, mais tous, hein, même les coiffeurs qui me suivent, etc., que c'était pas du tout ce que j'avais demandé, et que ce qu'elle aurait dû faire, c'était un tie and dye et non un ombré hair. Moi, je connais pas la coiffure, je connais pas grand chose, tu vois. Moi, je lui ai fait confiance, je me suis dit, bon, voilà, s'il connaît, je lui montre la photo, elle dit que c'est un ombré, bah écoute, on fait un ombré. Enfin, moi, je suis pas là pour discuter, voilà. Donc, il y a un Instagrammeur aussi qui a été ancien youtubeur que je suivais à l'époque. Maintenant il fait plus de vidéos YouTube. C'est Tom, je mettrai son Instagram juste là si vous voulez voir sa page Instagram. Il fait de très belles photos déco et en fait c'est un coiffeur. Il m'a vachement bien conseillé, il m'a dit voilà faut que tu fasses une patine sur ça, etc. J'étais en mode putain pourquoi il est pas sur Paris quoi. J'aurais trop voulu qu'il me coiffe quoi. J'étais tellement deg. Donc il m'a bien conseillé, etc. Donc en fait hier j'ai payé 170€ avec 60€ de soins. Donc j'ai fait de l'Olaplex, j'ai mis deux doses, enfin elle a mis deux doses, et après c'est le Botox. Genre c'est pour réparer tes cheveux, etc., pour pas les casser pour la décoloration. Donc en gros mes cheveux sont pas cassés. Pourtant on dirait qu'ils sont hyper abîmés, mais alors que pas du tout. C'est extrêmement chiant. Si elle me fait la patine, c'est super. Maintenant je veux débourser aucun euro. Si elle veut rien me faire, je demande un remboursement ou quelque chose comme ça. Et si je n'aime toujours pas, je vais me refaire une coloration. Voilà, en gros je vais acheter un truc, un tube à la con, à L'Oréal là. Dans tous les cas je suis allergique, donc autant prendre de la merde. Dans tous les cas je suis allergique, donc ça sert à rien d'aller chez un truc végétal ou je ne sais quoi, hyper cher encore. Je prends une boîte à 12€ à Carrefour, ça sera amplement suffisant. C'est vraiment ce côté barre que je n'aime pas, ça fait très vieille, ça fait pas naturel du tout, c'est pas joli. Après vous m'avez dit ouais qu'on peut pas avoir le résultat que je voulais en une seule fois, sauf que si... Moi je suis blonde foncée, je suis pas brun châtain en haut, je suis blonde foncée, donc c'est facile pour moi d'avoir ce résultat. Sachant que je l'ai le résultat, le blond que je veux, c'est ça. C'est pas... Attends, elle est où cette mèche de merde? Vous voyez là? C'est pas ça que je veux. Moi c'est ça sur toutes les pointes. Et je ne l'ai pas. Là j'ai du marron, j'ai du jaune, j'ai un peu de toutes les couleurs si tu veux. Moi c'est l'arc-en-ciel, hein, c'est toutes les nuances de blanc. Je peux l'avoir ce résultat, regardez je l'ai mon résultat, mais pas du tout. Donc j'ai vu à la lumière naturelle, c'est pas ce que je veux. Il y a des jaunes, il y a des oranges, enfin c'est... Regardez, c'est même pas de la même couleur. Non mais, voilà, donc j'aime pas. Donc là aussi ce matin j'ai regardé pour Ouigo, parce que j'étais censée partir aujourd'hui pour vous et pour moi demain à Strasbourg pour le marché de Noël. Mon aller a été annulé mais mon retour ne l'est pas. Mon retour est bien confirmé. Pour mon aller, ils m'ont fait un bon d'achat de 78€. Il y a une abonnée qui m'a montré qu'on pouvait le recréditer sur son compte. Merci à toi, vraiment. Après, il y a mon copain qui l'a vu. Mais merci beaucoup à toi. Comme ça, j'ai pu le recréditer sur mon compte. Et le retour, j'ai un délai de 6 semaines pour me faire rembourser. Non, le délai de réponse est de 6 semaines. Mais franchement, ça me vieillit dans le mauvais sens. Ce blond, c'est pas joli. Mais je vous jure, hier, tellement pas bien, là je suis encore pas trop bien aussi. En plus hier c'était la journée de repos de mon copain et au lieu de passer une journée avec lui, bah j'ai passé une journée là-bas et j'ai pas envie de repasser une journée là-bas. Oh là là, j'ai pas envie de passer à moins 6 heures là-bas, c'est bon quoi, au bout d'un moment. Ah, et aussi
On a appelé SFR, enfin ils nous ont appelé, ils m'ont harcelé hier. Hein. Et ils ont dit, enfin c'est mon copain qui a répondu, ils ont dit ouais les frais de résiliation c'est de 240 euros, pardon. Ils ont commencé à dire ouais on peut vous faire une remise de 25 euros sur votre abonnement pendant un an, vous vous engagez pendant un an, ça vous fait 13 euros par mois, gna. On lui dit mais frère, on payait déjà 14 euros, tu nous fais une remise de 1 euro pour de la merde. Il y a un gros problème dans votre box interne, dans le logiciel, c'est de la grosse merde. Nous on passe chez Free, c'est 15 euros pour exactement la même chose. Avec 1 giga, en gros je peux uploader mes vidéos en 2 minutes alors qu'avec SFR c'est 2 heures, vraiment. Donc on leur a dit qu'en gros c'était de la grosse merde, ils ont insisté etc, on leur a dit que c'était de la grosse merde. Et voilà donc 240 euros, c'est génial, encore une fois des dépenses. Après il y a Free qui prend en partie. Mais pas tout quoi, il prend jusqu'à 100 euros je crois, un truc comme ça, mais je sais pas le montant exact. Donc aujourd'hui je vais jouer sur mon côté influenceuse pour lui foutre une grosse pression. Je vais en rajouter des caisses bien évidemment, vous me connaissez. Je vais dire oui, je travaille pour les plus grandes marques, je peux pas arriver comme ça au boulot, on va inventer un petit truc tu vois. Donc j'ai envie de lui mettre un petit peu la pression parce que moi ça ne me convient pas. Bon allez, je me prépare, je prends mon téléphone avec moi, je vais sortir border tout le bordel. Et on se retrouve au salon de coiffure. Donc je vais reprendre quelques petites photos, je vais peut-être vous enregistrer ce que je vais lui dire. Est-ce que vous êtes prêts à voir ma tronche? Je tiens à signaler déjà que je suis floue, focus bonjour, que la fille a bien rattrapé. Focus, bonjour encore une fois. Elle a vachement bien rattrapé la fille. Quasiment pareil que ce que j'ai demandé. Comment ça va ressortir? Donc ils m'ont fait un blond polaire comme je l'ai demandé. Hein, donc de base j'avais des grands traits, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais des grands traits. Ça commence à me gratter le crâne, ça m'inquiète. Et en gros voilà maintenant ce que ça donne. Donc ils m'ont fait un blond polaire, malheureusement sur les pointes, il y a encore des petits trucs jaunes. Donc on a recoupé un petit peu, parce qu'avant il m'arrivait encore là. Donc voilà ce que ça donne. Donc le blond va dégorger comme on m'a dit. Et là sur les pointes, genre là je pense que vous allez le voir un petit peu là, c'est jaune. Pourquoi? Parce que c'était mes mèches de marron là, qui n'ont pas été décolorées en même temps que mes anciennes mèches. Donc là en fait elle a tout refait décolorer et c'est exactement ça, c'est un blond polaire, voilà c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà je suis trop contente. Maintenant elle m'a dit voilà de laisser mes cheveux tranquilles, de pas faire de shampoing bleu etc. S'il fallait faire une patine il fallait revenir mais d'ici 2 semaines. Mais voilà je suis contente, on a refoncé ici, donc qui dit refoncé dit faire une coloration. Qui dit coloration dit Elisa allergique, qui dit Elisa allergique dit Elisa qui se gratte toute la journée son crâne. Donc c'est fou que j'aille voir à une pharmacie pour m'acheter crème, mais je vais commencer par du corticédermine, je pense que ça sera peut-être le mieux. Je vais vous montrer sur Insta ce que ça donne. Bichette et moi on se confond hein. Non franchement c'était ça que je voulais, c'était pas des barres à la con, c'était vraiment hyper bien rattrapé. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais deux grosses barres là hein. Elle a vachement bien rattrapé et vraiment je suis contente. C'est exactement ce que je voulais. Ça se fond mieux en fait, ça va mieux. Et je suis contente, voilà, je suis contente, elle a bien rattrapé. Mais je vous avoue, quand je suis arrivée, j'étais en mode... Quand j'ai eu la responsable au téléphone, et je lui ai expliqué, etc. Et limite, c'était de ma faute, tu vois. Je me suis dit, bah non, en fait, j'ai montré une photo. Pour moi, je voulais le truc de la photo. Certes, les coiffeurs sont pas des magiciens, mais un minimum. Là, j'avais plein de mèches marron sur les pointes, alors que sur la photo, il y en a pas. Donc au bout d'un moment, je veux bien être gentille, mais voilà. Après, j'ai commencé à dire, ouais, mon agent... Il a pas aimé, j'ai des shootings la semaine prochaine, moi il me faut vraiment une coupe nickel. Bien évidemment que c'est faux, hein. Donc là ils ont commencé à dire, ah oui effectivement, c'est vrai que c'est pas très bien fait, etc. Donc ils m'ont tout refait, ça a pas duré longtemps, ça a duré 3 heures alors qu'hier ça m'a duré 8 heures. Donc j'ai pas trop compris. La fille qui s'occupait de moi était vraiment très gentille, franchement elle a même dit voilà ça mal été fait, la couleur était mal faite. Donc après il y a sa collègue qui est venue, elle a dit alors ça te plaisait pas et tout, je dis bah non il y avait des barres etc, on voyait pas trop bien au salon mais chez moi je l'ai vu, à la lumière du jour je l'ai vu. Et sa collègue a dit oui, enfin c'était pas très très bien fait, donc j'ai tout rattrapé et voilà ça n'a rien à voir. C'est ce que je voulais, donc là je suis pas très habituée je vous avoue, c'est un peu bizarre, je me regarde, je me reconnais pas dans le miroir. Mais vraiment je suis contente, désolée si je regarde au-dessus mais je regarde le retour caméra, comme je vous dis, on dirait que c'est pas moi. Mon copain il va péter un plomb, il va faire c'est qui.
Donc faut bien en prendre soin. Ils ont vachement cassé hein, parce qu'elle m'a pas fait de l'Olaplex. L'Olaplex, pardon, dans les trucs je pense, parce que quand elle a brossé ça a cassé. Et quand j'ai mis mes cheveux comme ça, il y avait une mèche là, une mèche là, une mèche là, donc on a recoupé. Heureusement que j'avais pas beaucoup coupé hier, hein, mais je suis trop contente. Donc j'ai rien payé bien évidemment. On était tous sur Instagram en mode j'espère que tu auras rien payé, j'espère que tu auras rien payé, j'espère aussi, Inch'Allah, on prie tous. Et au final j'ai rien payé, donc merci beaucoup hein, pour tous ceux qui sont sur Instagram, qui m'ont soutenu. Vraiment j'ai lu tous vos messages, merci beaucoup. Et je tiens aussi à remercier une personne en particulier qui m'a été d'une grande aide, c'est Tom Sweet Tom YouTube. Et c'est un coiffeur et il m'a été vraiment utile, il m'a dit tout ce qu'il fallait faire. J'ai montré le message à la gonzesse, je lui ai dit vous me faites ça. Et je suis contente, j'ai un super résultat. Donc vraiment merci beaucoup. Voilà, après il y a quelques petits détails, comme je vous dis c'est un peu jaune sur les pointes. Mais ça, si elle me le faisait, ça me décolorait encore une fois, mes cheveux auraient cassé et ça aurait pas été joli. Donc je préfère dégorger moi-même avec les shampoings bleus, etc. Mais au moins pour aller au boulot, je vais pas être ridicule avec 3 barres. Enfin, je suis pas une Dalton, tu vois, genre. Donc le programme de la journée. Déjà, je vais me reposer les esprits. J'ai pas dormi de la nuit. Je vais ranger l'appartement parce que c'est Bagdad. On a fait une raclette hier, les gars. C'est le bordel dans la cuisine. Et il faut que je fasse aussi une lessive parce que lundi elle a eu peur hier, là, genre elle a eu peur de mon copain. Genre mon copain était dans le noir donc elle l'a vu, elle a hyper peur. Donc elle s'est pissée dessus mais vraiment littéralement. Et moi je l'avais pas vue vu qu'on est dans le noir tu vois, donc je la prends, je la mets dans le lit, je fais ça va etc. Et je vois elle est trempée, il y en avait partout dans le lit. Donc bah j'ai dû tout retirer, les draps etc. Donc il y a les draps à laver, il y a les plaids, enfin il y a plein de choses à laver. Et voilà ma chouquette. Je vais regarder les princes et princesses de l'amour. Tout le monde me dit que je ressemble à Léa Marie. Mais les gars, j'ai pas du botox dans la bouche, j'ai pas un nez refait, j'ai pas des fesses énormes, j'ai pas... Tout le monde me dit ouais, on aurait dit toi et tout. Donc là, ce que j'ai fait pour mes cheveux, j'ai mis du bêta-métazone sur mon cœur chevelu parce que ça a commencé à me gratter un peu. C'est du diprosome, donc je pense que c'est ça. N'hésitez pas à me dire, parce que je sais qu'il y a des pharmaciens dans les abonnés. N'hésitez pas à me dire si c'est ça qu'il faut mettre. Parce qu'en fait, dans mes allergies, je me gratte au niveau de là où il y avait la couleur, en fait, surtout vers le bas. Donc ça me gratte, donc j'essaye de pas me gratter, donc je mets ça, donc ça m'apaise. Et si je me gratte de trop, bah je gonfle. Je sais plus de photos quand j'avais gonflé, mais je ressemblais à un ballon de rugby, j'étais comme ça, tu vois. Donc si vous avez des conseils, des crèmes et tout à prendre, parce que là mes pharmacies elles sont fermées et les plus proches faut prendre des bus etc parce que c'est trop loin et comme il n'y a pas de bus les enfants bah c'est un peu galère. Donc n'hésitez pas à me dire si je dois prendre ça, j'en ai un autre tube, là il est bientôt fini. Donc là j'étais en train de regarder une petite vidéo YouTube, c'est Tribulation d'Anaïs, vlog emménagement nouvelle maison. J'adore les vlogs de déco, j'adore ça. Et je suis contente qu'elle a acheté une belle maison, très, très versaillaise, enfin je trouve ça pas mal. Et donc là en fait ils vont tout rénover et après ils vont avoir une magnifique baraque. Et j'adore ce genre de vidéos. Je vous ai pas filmé les unboxings, enfin les unboxings, les calendriers de l'avant. On va faire ça. Là il y a mon copain qui va rentrer d'ici peu. Dans une heure environ, il a eu son boulot ce matin. Il a eu de la chance parce qu'il était du matin, donc il y avait les métros. Après, il m'a montré le bordel que c'était. Je me dis putain, mais heureusement que je suis pas là-dedans parce que moi, je suis agoraphobe. J'ai la phobie de la foule, tout ça, d'être enfermée. Je ne supporte pas. Oh, je sais pas quoi lui mettre sur ça. Je n'ai toujours pas cours, mon centre PMF est fermé. Après, mes TD sont toujours là, donc j'ai TD le vendredi. Normalement, on devait avoir un contrôle. Sauf que bah comme il y a tellement de problèmes de transport, bah je n'ai plus contrôle, c'est la semaine suivante encore. Par contre je sais même pas si je pourrais encore y aller. Mes cheveux à la caméra ils paraissent plus clairs je trouve. Faut pas que je mette de blanc en fait pour les hauts parce que sinon on voit le côté jaune. Donc faut pas que je mette ça, faut que je mette plutôt peut-être un prune ou un marron. Ça pourrait mieux ressortir le blanc. Bichette, ça va mon chat? T'as ça dans les yeux hein? Oh c'est dur la vie hein. Cette tête. Donc voilà pour cette vidéo. Donc voilà, je suis pas à 100% satisfaite de ma couleur. Enfin ma couleur de ma décoloration. Pourquoi? Parce que c'est encore un peu jaune. Enfin on le voit etc. En vidéo ça rend super bien. Vraiment ça rend très bien. En vrai ça rend moins bien je vous avoue. Je regarde au dessus, désolée parce que je regarde le retour caméra. C'est pas pareil, c'est plus jaune. Là c'est plus clair. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne.
juste ici sur le pavé. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour un prochain Vlogmas.